Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo unboxing, car oui, j'ai acheté une nouvelle figurine d'Inosuke qui est juste magnifique. Mais regardez-moi cette boîte, franchement j'attendais cette figurine depuis très longtemps. Je l'attendais avec impatience, je voyais qu'il y avait tous les personnages qui sortaient, sauf Inosuke, et du coup ça m'énervait. Donc là je suis trop contente de l'avoir, donc je l'ai acheté vendredi. Franchement je ne m'y attendais pas du tout, et quand j'ai vu, bien sûr vous le savez bien, je me suis jetée dessus. J'ai acheté qu'une seule figurine hein, puisqu'il n'y en avait pas d'autres, mais je vous montrerai aussi deux figurines de Inosuke que j'avais achetées avant, qui sont très belles mais que j'avais pas encore présentées sur YouTube. Je les avais juste présentées dans mes stories pour ceux qui me suivent sur Instagram. Déjà on va ouvrir ça ensemble sans plus tarder, et nous verrons aussi la suite avec les deux autres figurines. Et c'est parti! Allez, let's go! Oh là 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 là! Trop belle, trop belle! Oh là 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 là, j'ai trop hâte! Oh là 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 là! Elle a l'air trop belle! Enfin, je sais qu'elle sera trop belle! Je crois que c'est ma plus belle figurine d'Inosuke, il est trop beau, il est trop bien fait, oh là là, j'adore sa tête. Oh, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça, elle est magnifique, elle est sublime, oh là là. Souffle de la bête. Ah non, non, vraiment, elle est trop belle. Vous pouvez pas dire le contraire, elle est trop belle, elle est magnifique. Là, il lui manque un sabre, là, faut que je le rajoute. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas cassé. Non, non, faut juste que je le rajoute un petit sabre. Voilà, avec la tête de sanglier. Elle est juste incroyable. Elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ce profil parfait. Franchement. Par contre, la figurine, elle pique. Je veux dire, elle s'accroche facilement. Donc, je pense très sincèrement que c'est certainement la figurine la plus fragile que j'ai, du coup. Mais en tout cas, elle est incroyable. Donc, je ne sais pas encore où je vais la mettre, où je vais avoir la place, parce qu'elle est quand même assez imposante. Alors personnellement, je préfère quand il a pas sa tête de sanglier. Quand il a sa tête humaine, il est beaucoup plus beau. Je la trouve trop bien faite. Franchement, je regrette pas du tout, parce que elle est trop belle cette figurine. Je la voulais tellement. Donc je suis trop contente. 80 €, c'est vrai, mais je comprends, parce qu'elle est vraiment de qualité quoi. Elle est trop belle. I was on my road heading to you, cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road. Maintenant on passe à deux autres figurines que j'ai achetées il y a à peu près 2 mois de ça. Donc une que j'ai achetée à Manga Story, donc ça va être celle que je vais vous montrer, et une autre que j'ai commandée sur Wish qui est très belle. Franchement je ne m'y attendais pas. Je vais vous montrer déjà celle de Manga Story. Elle est juste sublime. Voilà, elle est incroyable. Alors celle-là, je l'ai eue à 50 €. Voilà, quand on aime, on ne compte pas. Elle est trop belle. Alors, il y a juste un petit truc que je trouve dommage. Je trouve que sur cette figurine-là, Inosuke est très pâle. Là, on dirait peut-être pas sur la vidéo, mais en vrai, c'est vrai qu'il est assez pâle. Mais bon, après, ça va, c'est pas non plus dérangeant. Alors oui, il y a la version tête de sanglier, qui est juste là. Hein, il y a la petite tête de sanglier. Mais pour cette figurine, je préfère largement sa tête humaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que moi perso je la trouve trop belle. Do you fix a broken person, eh? How? Do you know that I'm so broken, eh? How? Can I love without me breaking? Ensuite, nous passons à la figurine que j'ai achetée sur Wish. Franchement, je ne l'ai pas vue ailleurs que sur Wish, parce que je l'ai trouvée vraiment par hasard sur Wish, et j'ai totalement craqué. Je sais qu'elle existe en version Tanjiro et Rengoku, mais je trouve qu'elles sont
hyper moche. Surtout celle de Rengoku, je la trouve horrible. Mais celle d'Inosuke, je la trouvais trop mignonne et forcément, je la voulais. Donc, j'ai commandé, même si j'hésitais beaucoup. J'avais peur qu'elle soit très moche ou très mal faite ou très ratée avec plein de défauts. Et en fait, pas vraiment. Franchement, elle est super belle, moi, je trouve, celle-là. Voilà, un peu version chibi. Moi, je trouve qu'elle est super belle quand on regarde bien. Il n'y a pas tant de défauts que ça, hormis là, en fait, derrière. Au niveau du sabre, voilà, il manque énormément de peinture, comme on voit là. Mais c'est pas dérangeant. Moi, je trouve que c'est pas dérangeant parce que ça fait un effet un peu usé, vous voyez. Donc, moi, j'aime beaucoup. Franchement, il n'y a rien à redire. Parce que sinon, moi, j'avais peur que ce soit au niveau de la tête, au niveau des cheveux, au niveau de la tête de sanglier, que ce soit super moche. Et en fait, pas du tout. Elle fait à peu près 16 cm, hein, quand même. Et elle est très lourde. C'est vrai qu'on s'y attend pas. C'est vraiment au niveau de la tête que ça pèse très lourd. Quand on regarde la différence, c'est à peu près quand même la même taille au final. Donc je suis très 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 contente parce que pour l'instant, en tout cas, elle ne se trouve que sur Wish. Donc franchement, si vous voulez cette figurine, bah allez-y, hein. Franchement, foncez, n'hésitez pas parce qu'elle est vraiment trop trop belle. Remedy on my hands, 네 자신을 고쳐볼게. 그러면 나도 완벽한 사람이 되어 정단을 different, okay. 친구들한테 내 상태에 대해서 말하는 것도 안 돼. I don't know how long I'm gonna last, yeah. Donc voilà pour mes trois figurines. Après, j'ai aussi oublié de vous montrer ma Funko Pop d'Inosuke que j'ai réussi à avoir sur Vinted parce que sinon c'est impossible à l'avoir. Donc voilà comment elle est. Je la déballe pas, mais tout ça pour vous montrer que si jamais vous voulez des figurines de Demon Slayer et que vous ne les trouvez pas sur le marché, il faut aller sur Vinted. Il y a tous les prix. Moi, je l'ai eu à 20€ avec les frais de port et les frais d'acheteur. Donc franchement, c'était super parce qu'avant, elles étaient chères. Avant, ça montait jusqu'à 40€. Et puis, j'ai attendu deux petites semaines et au final, ça a baissé. Je ne regrette pas parce qu'elle est super bien faite. C'est une vraie, c'est une officielle. Donc voilà, franchement, une figurine de plus pour Inosuke. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas très Funko Pop, mais pour Inosuke, franchement, elle est trop mignonne, donc forcément, j'ai craqué. Donc c'était forcément l'exception, parce que Inosuke, vous savez, c'est Inosuke, quoi, pour moi. Donc voilà, c'était parfait. Moi, je la trouve vraiment trop belle, trop mignonne, trop parfaite. Donc, je ne regrette rien, je suis trop, trop, trop contente de cet achat. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes figurines Inosuke. Je pense être à jour avec vous. En tout cas, bien sûr, il y en aura d'autres à l'avenir, hein, dès qu'il y en a qui sortent en France. Moi, je suis là. Du moins qu'elles sont mignonnes, belles et bien faites, je vous les montrerai. À chaque fois, je ferai des petits unboxings, que ce soit en story ou sur YouTube. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur celle que vous avez préférée, hein, sur la Wish, sur celle que je viens de m'acheter, sur la Funko Pop, sur l'autre qui vient aussi de Manga Story. N'hésitez surtout pas. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut !